Wesh l'équipe, on dit quoi? Alchimie, hein. Le concert à Podium. Carbo. Si, si, là, on est mis partout. Non, non. On connaît, hein. Tonton Basse-toi. C'est pas casse-toi, c'est basse-toi, attention. Faut faire les choses bien. Faut bien parler, ouais. Enzo Arena, tout le bordel, voilà, si, si. Filmé. Vos sponsors, photo, il fait la pub aussi. Allez, vos ton shorty, hein. Sponsor, hein. Bien. J'aime pas tes larbonnettes, c'est des gadès. C'est Carbo. J'avais sur SLS, mais j'étais trop petit. J'avais. Wesh les gars, tranquille ou quoi? Ouais, tu fais quoi là? Je fais pour moi, pour toi, pour nous. C'est un nom ou pas? Il y a une dédicace à faire ou pas? Si, c'est Phelps TV alors. Phelps TV, vas-y. Phelps. Phelps. On va refaire. Phelps TV. Ok, comme Michael Phelps. Yes, yes. Exactement. Tu fais ça en sous-marin, c'est ça que tu veux dire? C'est le truc. T'as tout compris, garçon. Écoute, j'ai rencontré Babas, ça fait plaisir. Si, si. Dédicace pour lui, et j'espère qu'on va péter le morceau ensemble, et voilà. C'est cool, t'inquiète, ça va se faire. Ça va se faire, trop parler peut tuer. Mais sinon, toi, t'es qui même? Parce que les gens qui te regardent, ils savent pas. Moi, je suis Matt Murdock, et je suis trop fier, parce que là, pour moi, j'ai CC Rider. CC Rider, Mad in Paris, pour ceux qui connaissent. Et voilà, quoi, c'est un ancien qui a. Un petit mot ou quoi? Voilà, quoi. Un petit mot, on est là, enfin, on essaye d'accueillir le plus possible. Hein. Ça y est, on est passé de l'autre côté. Que ça veut dire? Il y avait une barrière, ça y est, tu l'as sauté. De l'autre côté de la régie. Ok, no soucis. Sinon, Matt, en termes de promo, t'en es où là? C'est quoi? Ouais, deuxième album qui va arriver en 2010, Bienvenue à Hell's Kitchen. Si, si. Ça, c'est un massacre. Un petit truc qui tourne, non? Ouais, là pour l'instant, on a le morceau I Got You. C'est un morceau pour les clubs et tout, pour faire danser un petit peu les meufs. Oh, Kerry ou quoi? Kerry, my man. Time to get Benice. Si, easy, I'm coming straight from Champs-Élysées. They say Matt Murdock is crazy, I got 99 problems, bitch never call me Jay-Z. Si, si. Ouais, c'est ça. Mais je t'ai vu sur des vidéos avec des carrés là en scène. On s'éclate un peu, tu vois. Ouais, bah je sais pas quelle vidéo t'as vu, mais ouais, j'ai fait des trucs cette année. C'était ouais, où d'ailleurs? C'était où? Je sais pas laquelle t'as vu, mais j'ai vu, j'ai fait un show avec Lil Scrappy et Corrupt. Il y avait qui encore? Il y avait DJ Wookid de G-Unit. Ça va, tu te fais plaisir? C'était après, ouais, on s'est éclaté, tu vois. C'était sympa. Ah oui, peut-être que t'as vu la vidéo avec Tony Williams. Alors je vais te dire, entre nous, la qualité de son n'était pas. C'est fait exprès, mec, c'est une histoire de droit. Parce que les Kerry, tu vois, c'est. Tant qu'on n'a pas tout finalisé sur le contrat, je peux pas diffuser le son. Ok, tu vois, ok. Donc pour leur mettre une petite. C'est du sabotage exprès, en fait. Voilà, c'est une petite carotte à ma façon, tu vois. Si, si. Leur montrer que voilà. Bah, tu nous as bien eu. Hein. Voilà. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de te voir avec des Kerry. Je me suis dit, bah tiens, il y a des mecs de mon secteur, 9-4. Qui est passé là comme ça, t'as vu? C'est pas de sa faute, c'est basse-toi, c'est basse-toi. Et ouais, c'était sympa, tu vois, avec Tony Williams, c'était vraiment sympa. C'est un mec comme ça. Alors il chante, voilà, c'est chanteur de gospel, de soul, de blues, enfin, tu vois. Il déchire. Et lui, il est signé chez. Enfin, c'est le cousin de Kanye West, il est signé chez Good Music. Et puis voilà, quoi, on s'est éclaté aussi. Toujours dans le 9-4 ou quoi? Toujours dans le 9-4, mec. 9-4. Depuis que j'ai quitté le 9-3, j'ai dit c'est 9-4. Et Inch'Allah, je resterai dans le 9-4. En tout cas, respect ta musique, respect ton son, respect ta façon de faire. Sans si, je prends plein les thunes et là, franchement, les mecs. Non, change pas, franchement, change pas. Non, je changerai pas, mais je changerai juste d'appartement. Oh, mais t'as le droit. Peut-être de département aussi. Si, si. Change d'amis, invite-moi de temps en temps. J'ai pas besoin de changer d'amis, t'es déjà mon ami. Ah, ça fait. Non, mais c'est virtuel aussi, c'est que du Facebook, fais gaffe. On s'y perd des fois. Écoute, on va régler ça vite fait là. On va d'accord. Ça, d'accord, voilà. En plus, tu me connais depuis un petit moment là. Non, mais là, faut que tu me fasses manger à la maison. Faut que tu me fasses manger à la maison, là je dirais que t'es mon ami. Tu vois ce que ça, je veux dire. Ça, faut négocier parce que. Là, j'ai ma petite femme là qui décide un peu qui entre, qui n'entre pas. C'est pas ça, mais est-ce qu'elle cuisine même? Est-ce qu'elle cuisine? Oui. Tu vois, je suis avec elle pour voir. Ok, j'ai compris. Elle va voir la vidéo, attention. Si elle me garde, si je la garde. Si elle me garde, si je la garde, c'est parce qu'elle cuisine. Ok. Toi-même, tu sais, non? Pas de soucis. Non, je sais rien, c'est pour ça que je te demande aussi. Comment ça, tu sais rien? Non, je sais pas. Ta femme, elle cuisine pas? Attends, ma femme, c'est ma femme. La tienne, c'est la tienne. Non, mais si t'as dit que c'est ta femme, je pense que tu sais pas ce qu'elle. Non, je la connais pas, pardon. Oh, putain. Quand je dis c'est ma femme, oui, c'est qu'elle cuisine. Non, on a chacun, c'est. Comment dirais-je? Tu vois ce que je veux dire? Chaque Renoir garde sa femme parce qu'elle cuisine. Avant tout. Avant tout. Mais surtout. Avant même l'amour, avant même tout le reste là. Faut qu'elle cuisine. Espèce de ouf. Si tu manges pas, mec, oh là là, tu vas voir ailleurs. Si. Ok, on se retrouve tout à l'heure. Hein. Vas-y, pas de soucis. Y'a pas de problème.